6-9, la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda Vebsa, bonjour. Bonjour. Alors que l'Union du Maghreb arabe est bloquée depuis des années, l'Algérie, la Tunisie et la Libye ont décidé de travailler à une nouvelle organisation régionale. Une organisation qui ambitionne de faire de cette région une zone de prospérité et d'échange continental. Oui, la paralysie de l'UMA a généré un vide dans la région, une région où se trouve un marché de plus de 50 millions de consommateurs. Et à ce titre, le Maghreb donne parfois l'impression de ne pas suivre l'évolution et les échanges et les changements que connaissent les autres parties du monde. Ce manque a poussé les dirigeants algériens, tunisiens et libyens à vouloir faire progresser la région au niveau que l'on est en droit de s'attendre. D'attendre surtout. Il s'agit de relancer une dynamique maghrébine unitaire au moment où une grande partie du commerce mondial s'inscrit justement dans les aires d'intégration régionale. Pour le moment, au Maghreb, le commerce interrégional représente moins de 3% des échanges. Le coût de cette faible intégration est évalué pour chacun des pays à la privation de 2 à 3% du PIB annuel. Or, la situation du Maghreb n'est pas en mesure de se payer le luxe d'un tel gâchis économique. De nombreux experts concluent à la nécessité pour les États du Maghreb de s'engager concrètement dans l'organisation d'une intégration régionale effective. Un tel processus, d'ailleurs, ne manquerait pas de favoriser leur croissance économique et d'accroître la visibilité de la région et de son intérêt géographique. Pour l'heure, les pays du Maghreb représentent des marchés relativement, on va dire, fragmentés, petits, dont la meilleure chance de développement se situe justement dans l'ouverture et dans l'intégration. Une intégration économique régionale beaucoup plus approfondie et qui présenterait des avantages importants pour des pays où l'agriculture et l'énergie, par exemple, sont en plein essor. Elle entraînerait des gains d'efficience et un bon partenariat qui rendrait la région plus attrayante pour les investisseurs étrangers. D'un autre côté, les structures économiques complémentaires de la Tunisie, de l'Algérie et de la Libye créeraient des possibilités d'échange qui profiteraient à tous les pays de la région. Tout cela nécessite des groupements unifiés, des groupements capables d'intensifier les rapports avec les géants économiques tels que les États-Unis, l'Union européenne, le Japon ou encore la Chine. Bref, cette rencontre a eu lieu pour nous dire combien le Maghreb doit aller au-delà d'un ensemble régional en construction. Merci Linda Vebsa pour cet éclairage.